C'est parti, Marc. Eh bien, nous revoici encore une fois pour un nouvel épisode de notre aventure, majoritairement du fail, mais aussi un tout petit peu de l'industrie de temps en temps. Je repasse en vue potable, voilà. Et donc aujourd'hui, je propose qu'on fasse de l'énergie. Oh oui. On va faire tout plein d'énergie. Donc pour faire de l'énergie, déjà, on va dégager toutes ces furnaces qu'on ne va plus utiliser, du coup. Hop. Et vu que, je sais pas si je vous l'avais montré moi, mais j'allais vous le montrer, on a un joli lac de lave un peu plus loin par ici, là. Là, ici, là-bas, là. On a mis quelques pipes en or ici pour accélérer un peu le transfert. Et donc ici, sous la vitre, ici, on a... Ça, c'est ce que je faisais pendant que Vanguard... C'est ça. Et là, on a un lac de lave qu'on va pomper. Pour le transformer en énergie. Et je crois qu'il n'y a plus de charbon, encore une fois, dans notre système de forêt. Si c'est le cas, ça prend vraiment, vraiment beaucoup de charbon. Ah mince, je viens d'enlever une torche de redstone où il fallait pas, je pense. Il faut les mettre au-dessus des pipes en or. Mais c'est pas grave, bientôt du charbon, on va pouvoir en cuire, plus ne savoir quoi en faire. Okay. Donc ce qu'on va faire pour commencer, c'est qu'on va faire notre générateur géothermique. Et je propose qu'on le mette en bas, par ici, parce que ça risque de nous foutre un bordel monstrueux. Alors, pour faire ça, il nous faut un générateur. Alors, qu'on calcule celui qui nous demande le moins de fer. Celui-là nous demande 8 fer de le faire de cette manière-là. Et ça, on demande... Alors, 1, 2, 3, 4, 5... C'est le géothermal générateur qu'il faut que je fasse ? Ouais. Pourquoi, quand je clique, il me met plus dans le... Ah. Je mets plus les crafts. Je ne sais pas, puisque moi ça fonctionne quand même. C'est bon, ça marche avec R, c'est pas grave. Ah oui, parce que t'as choisi le Mark 2, sûrement. Et le Mark 2, je ne connais pas sa recette, puisqu'on ne peut pas franchement l'avoir directement. Non, j'ai choisi le Geothermal Generator. Ah oui, parce que normalement ça marche. Et avec aucun ça marche chez moi. C'est pas grave. C'est voilà, bon. Peu important. Ce qu'il faut qu'on fasse, il va falloir qu'on fasse une RE batterie. On va commencer par ça, on va faire une RE batterie. Donc il faut de l'étain, de la redstone et un câble de cuivre. Et puis aussi on a notre énergie condenseur qui est en train de nous faire des côtes de porc. Okay. C'est toujours utile, on transforme de la cobblestone en côte de porc cuite. Parce que nous on est comme ça. Donc du coup, barre, il faut que je récupère un cuivre avec un comme ça, et 4 étains. Puis-je t'aider à quelque chose ? Ouais, tu peux faire la... Bah, transformer ça en... d'abord en Iron Furnace. Donc pour faire ça, t'en prends un, enfin tu regardes la recette, quoi, la deuxième recette, celle qui part de la furnace, puisque c'est celle qui coûte le moins cher en fer. D'accord. Et okay, bah moi, donc j'ai un four en bas et 5 fer. C'est ça. Où est-ce qu'on a du fer ? En bas, je crois. Ah bah dans le... Ah dans le... La non, table. Non, dans le truc bar. Ah oui, bar. Donc moi je vais faire la RE batterie. Projectable. Ah mince, on peut pas l'utiliser en même temps. C'est ça, c'est ce que j'étais en train de me dire. Dommage. Bon. On en fera une qu'on pourra utiliser en même temps. Alors, en attendant... Fais-toi une petite table de craft sur le bord. C'est ce que j'allais faire. Alors à tous les coups, c'est pas le bon cuivre que j'ai pris. Et j'ai laissé mon fer dans... Dans ma table.
Ah oui, d'accord, il faut 3 cuivres pour faire du fil. Avec tous ces modes, on se perd à une vitesse. Ouais. Je vous mets au défi de retenir tous les crafts. C'est affolant la vitesse à laquelle on. Alors, j'ai des iron furnace, maintenant faut faire des. Après, je crois qu'il me faut mon truc. Faut. En fait, tu cherches à faire quoi avec les furnaces? Bah là, moi c'est bon, j'ai une RE batterie. Ok, attends, il faut que je re-regarde le géothermal générateur. Il faut une anti. Attends, pourquoi j'ai fait une RE batterie déjà? C'est pour faire le générateur. Donc maintenant, tu me files ton iron furnace. Ok. Et moi, je vais prendre 3 refined iron. Hop, super. Hop, J'ai donc. commencé à faire le petit toit Ah ouais, là. on en a 4 des. Ok, une ça aurait suffi. Et. Bah tu m'as dit de tout transformer. Ouais, j'ai pas fait attention. Donc le générateur, il est fait. Maintenant, il nous faut 4 verres. Tu peux les mettre dans la project table directement. Ah, c'est quoi que tu essayes de faire en fait pour que j'essaye de Le voir le craft géothermal maintenant? générateur. Bah, hop, là moi je vais faire des. Ah bah non, je vais faire juste des empty cells. Et maintenant, si tu poses les 4 verres. Alors, refine iron. Si tu poses les 4 verres dans le truc au bon endroit. Attends, pourquoi j'ai plus une refine iron, moi? Parce que j'en ai pas pris assez. Il m'en faut deux de plus. J'ai vu les verres. Je t'en ai mis parce que j'arrive plus à consulter la recette de ce Bah, je vais truc. te montrer, ça se fait comme ceci. Refine iron, Ah, c'est anti-cell, parce que je regardais anti-cell. le MK2. Et voilà, géothermal générateur. Donc on a un géothermal générateur, c'est une première étape. Maintenant, Ok. il faut qu'on Est-ce qu'il faut trouve qu'on aille des. aménager le terrain vers là où il y a le lac de lave? Ouais, parce qu'il va falloir qu'on fasse des. Comment? C'est des pipes comment qui est en bas? C'est de la cobblestone ou de la stone? Cobblestone. Ok, Stone, donc. j'en ai 53 sur moi. C'est ça, bah là il va falloir qu'on aille péter des cactus. Pour Ok. les. Tu peux chercher les waterproof pipes. Et le pipe waterproofing il se fait avec du cactus green. Et donc il faut qu'on aille péter des cactus. Y en a par là, là. Voilà, bah pète les cactus et fais des pipes waterproof. Moi en attendant je vais faire une pompe. Alors je vais pas tous les péter, je vais en laisser un qui va grandir. C'est ça. Alors Et pour faire on va une en pompe, il planter faut après faire un derrière. mining wheel, donc il va me falloir une masse de fer absolument obscène. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les transformer de la cobblestone en fer, et puis ça va prendre tellement longtemps. Avec tes blocs qui. Enfin, avec tes casseurs de blocs là, Ouais. est-ce qu'on peut faire des. On peut faire des fermes automatiques sans aucun problème. Pourquoi c'est cassé par là, là? Parce que ça a brûlé. Ah, il y a un Ah truc qui a ouais! brûlé? Mes barrières. Ah, ça brûle les barrières? Maintenant oui. J'étais persuadé que ça brûlait pas. Ça ne brûlait pas à une certaine époque. Ok. Mais alors, soit ça a brûlé, soit ça a disparu, mais j'ai pas trop compris. Je pense que ça a brûlé, hein. Là, c'est le seul truc que je peux voir. C'est bête. C'est pas vraiment important, vu le nombre que j'en ai fait, mais. On va Est-ce voir. que je peux. Non. C'est tricher si j'équivalent exchange une pickaxe pétée. Ah bah dis donc, équivalent exchange, je prends en compte le fait que ça soit déjà un peu pété ta pickaxe. Ah, c'est pas mal ça. Donc alors, il t'en faut combien des cactus? Bah assez pour aller jusque là-bas avec des pipes waterproof. Alors attends. Hop. Waterproof. Je crois que c'est un pour un. Le. C'est pipe waterproof. C'est bah, le stone waterproof pipe. Ah, stone. Alors, stone Mining wheel, waterproof un pipe. autre. Ok. Et comment on fait ce truc avec du cactus green. Ok, Voilà. nickel. Donc il en faut beaucoup. C'est Oui. bien ce qui me semblait. Et comme il y a beaucoup de cactus ici, il faudrait qu'on se fasse une ferme automatique de cactus. C'est tout à fait possible.
Donc moi, je suis en train de me demander qu'est-ce que je voulais. Je voulais de la stone. De la cobblestone même d'ailleurs. La cobblestone, hop. Oh, un Enderman. Hop, donc du coup on va faire une roue comme ça, qu'on va transformer en roue comme ça, qu'on va transformer en roue comme ça, et voilà, donc j'ai une roue en fer, j'entoure ça de fer comme ceci, je mets une redstone là et un pickaxe ici, c'est le contraire, voilà. Un mining wheel, donc maintenant je fais... Ah mais il faut le cuire, le cactus. J'ai oublié. Donc je fais quelques tanks. Alors je sais absolument pas ce que t'es en train de faire. Voilà, j'ai fait une pompe. Donc ça y est, on a une pompe. Ok, j'ai 53 trucs... Ça va. 53 cactus. Ça devrait le faire. Si moi je vais poser... Donc, ah bah oui, bah forcément, j'ai laissé les réservoirs dans la table de craft. Je vais rechercher les réservoirs dans la table de craft. Ta 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 ta. Alors, les réservoirs. Ça marche avec quoi le alloy furnace? Avec... Ouais, mais ça tu peux pas le faire dedans. Attends, je vais te mettre une iron furnace à côté. Parce que l'alloy furnace, ça sert uniquement à faire des trucs particuliers. Et l'avantage de l'iron furnace, c'est qu'elle cuit les trucs beaucoup plus vite. Et je sais plus par contre si elle utilise moins de matériaux à cuire ou pas. Il va nous falloir aussi de combustible. Voilà. Il va nous falloir un wooden waterproof transport pipe. Hop, donc... On va pomper tout ça jusqu'ici. On va mettre le générateur géothermique. Ouais, non, en fait, on va pas pomper jusqu'ici parce que... Bon, on va laisser cuire ça. On va pomper jusqu'un peu plus loin. Oups, j'ai pété un pipe. Hop, réparé. On va pomper jusque ben, là, puisque du coup il va falloir faire monter les câbles. Je vais poser le générateur. Et bdbdbbep, je sais pas. Je vais poser le générateur. Ouais, mais ici ça va faire plus de câbles, il vaut mieux plus de pipes que plus de câbles. Je vais monter les réservoirs ici. Alors, voilà. Où es-tu? En bas. Je suis en train de voir où poser tout le bordel. On va poser ça ici. Ok, bah, je pense que comme ça, c'est pas mal. J'espère qu'on va avoir assez de tuyaux pour aller lier tout ça à la pompe. Et l'avantage en plus, c'est qu'on va pouvoir, avec ça, alimenter le système de forêt en électrique. Et ouais, comme ça on n'aura plus besoin de charbon. C'est ça. Et on en générera une chier. Et alors il y a de l'eau juste au-dessus de la lave. Eh ben, je suis en train de percer un endroit en espérant ne pas percer. Là où il y a de l'eau. Super, j'ai percé un endroit. Super quoi, j'ai percé le seul endroit où il n'y a pas la lave. Du coup, je sais pas si ça va pomper si je la mets là. Bon. On va regarder si... Ah bah c'est bon ici du coup. Oups. Cool, j'ai créé une X-Ray machine.
Bon, par contre, il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a un peu de... Ah non, mais je suis un gros boulet. J'ai laissé tomber du sable dans la lave. Du coup, j'ai tué un bloc mer. Bon. Ah. Ça, c'était pas cool. J'espère que c'est un bug de chunk. Je vais faire une déco reco. Ah, j'ai perdu la pompe. Ah non, elle est là. Ouh. Voilà, donc j'ai mis la pompe en place. Alors, peut-on mettre? Non, Voilà. on peut pas. Comme ça, on pourra mettre un moteur là. Et le tuyau qui va sortir par ici. Donc du coup, il faut que j'aille chercher un moteur. Un moteur et un levier. J'ai mis une table de craft ici. Alors, comment je peux faire ça? Est-ce que si je mets un morceau de verre, je peux faire ça comme ça? Non! Je ne sais pas où tu es. Je suis juste à côté de la foresterie. Ok. Moi j'ai oublié ce que je voulais faire. Moi, ça m'embête ce truc. Et si je voulais faire un levier et un moteur. Commençons par un levier. Voilà. Et maintenant, un steam engine. Comment on fait ça déjà? Alors il faut un piston, des stone gears Eh ben, ça le fera très bien et de la comme ça. cobblestone. Donc un piston. Un piston. Hop. Alors, des stone gear, je vais pas avoir assez de cobblestone. Voilà. Des sticks. Hop. Hop. Alors, je crois que c'était deux qu'il en fallait. Deux stone gear, un piston, du verre ici et de la cobblestone là. Voilà. Donc là, ça pompe dans la lave. Alors, on a fait un truc très drôle. Alors Ici. j'amène le moteur. Donc t'as les tuyaux, J'ai j'imagine. plein de tuyaux en cobble. Ramène aussi les machins verts dans le four. Ok. Ouais, parce qu'il faut qu'ils soient waterproof les tuyaux, sinon ça va pas le faire. Lavaproof aussi. Hop, 45 cactus machin, ça devrait largement suffire pour ce qu'on veut en faire. Et après, il va falloir qu'on fabrique une bat box avant de démarrer le générateur. Ah, c'est pas cool ça. Alors, je pense que tu dois être par ici. Salut! Ah ouais, toi, tu fais des trucs dangereux. J'aime bien. Ah ouais, non, ça va, il y a du verre, on risque pas de mourir. Tiens. Oui. Ah, je t'ai vomi les trucs devant toi. Quoi donc? Les Ah machins oui. de cactus. Alors, j'ai plus de place dans mon inventaire. Tu peux me vomir un truc dessus, le mien est tout vide quasiment. Hop. Alors, il faut ça et les cobblestone transport pipe. Comment on les place? Pareil que les autres. Ah! Ah galère. Il faut que je mette mon moteur de l'autre Ah, mais côté. surtout que c'est pas les cobblestone qu'il faut que j'utilise, c'est les stones. Je suis pas sûr que ça fasse une différence puisque ceux-là sont waterproof en fait. Alors attends, j'avais une table de craft quelque part. Tu l'avais à la main tout à l'heure. Ouais. Ah bah, elle doit être dans mon inventaire, oui. Hop, un levier. Voilà. Alors, on va faire un truc. Hop. Ah, ok. Attends, on va faire autrement. Oui, aussi. Hop, et donc comment faut les mettre, c'est transport pipe. Je sais pas s'il y a une... Comment s'il y a une...
Enfin, s'il y a vraiment une façon de le faire ou pas. Ah non, d'accord, ok, il faut juste mettre ça là-dedans pour faire des pipes waterproof. Ça, j'en fais 45. Et avec ça et mes stone transport pipe, j'en fais combien? Assez pour pour aller jusqu'au réservoir. Faisant plein, ça servira toujours. Parce qu'on finira par J'en pomper ai de l'eau. 45. Ok. Bah, il n'y a plus qu'à aller jusqu'au réservoir avec. Alors, c'est-à-dire, faut que je le mette là. Voilà. Et après, tu suis les autres. Problème. Ah. Bah, passe au-dessus. Non, on va mettre la. Ouais, si aussi. J'allais dire, non, on va mettre la torche sur le bord. Ah merde, attends. Oups. Faudrait la mettre en dessous, la torche, non? Bah, j'allais plutôt la mettre sur le bord. Attends, j'ai fait de la merde avec les tuyaux de cobblestone. Parce qu'évidemment, les tuyaux, quand il y a un tuyau qui tombe à côté, Ah il bah tombe en écoute, dessous. c'est ça, normal. Hop. Ah, par contre, c'est toi qui dois avoir la torche de redstone. Je vais préparer le. Enfin, je vais déplacer les autres. Hop. Tadadadam. Ça me plaît pas comme ça. Bon, on va laisser comme ça. Ah bah du coup, faut que je mette mes waterproof. Hop. Parce que si je comprends bien, si je mets pas des tuyaux waterproof, la Ça lave va va. dégouliner partout. Je sais pas si ça va vouloir le pomper. Ou si ça le pompe, effectivement, ça va dégouliner partout. Ça serait. C'est Je assez pense drôle. que je vais pas avoir assez de pipe. Zut. Il doit y avoir encore un petit peu de cactus qui. Il y en a beaucoup près du village de l'autre côté là. Ouais, mais je pense que je peux aller les. On doit pouvoir les équivalents exchanger. Tout à fait. Pas le waterproofing, mais le truc cuit. Ça doit pas être trop un problème. Ah bah j'aurais dû en garder avant. Il en reste dans la fournaise. Tout était pas. Il en reste 8. Parfait. Donc j'allais transformer des. Je vais prendre une épée aussi. Ouais, hop. Merde, non! On a un zombie qui tape la porte. On a un zombie qui est carrément rentré. Voilà. Ah, c'est bon, il a arrêté de taper la porte. Ah zut, non! Fais pas ça! J'ai failli me tuer avec le moteur dans les mains! Ah, surtout pas. J'ai failli faire double fail, c'est-à-dire j'ai viré le moteur et juste après j'ai failli me tuer avec. Hop. Voilà, donc il te reste des pipes. Il m'en reste 8, donc Ouais. pas assez. C'est des pipes de stone ou de cobblestone? De stone. Ok. Parce que j'en avais beaucoup. Et Là, cobblestone, j'en ai. je vais aller voir si je peux récupérer des pipes de stone et je vais continuer à aller. Là, je vais mettre le charbon dans le moteur. Déjà. Ah, par contre, il est où le levier qu'il y avait sur le moteur? Ça doit être moi. Surtout l'active pas. Sinon ça va dégouliner partout. Et ça serait dégueulasse de faire une. Enfin non, je crois en fait que ça va pas déborder, mais. Au cas où ça déborde, ça serait pas cool d'avoir une nappe de lave. Pas trop, non. En dessous de chez nous. Donc du coup on a dit des stone transport pipe tuyau. Stone transport pipe 18. Je pense que ça va pas être assez. Parce qu'on a un peu de verre par ici. Non. Bon, on va équiver un exchanger du sable en verre. Ça va pas coûter grand chose de plus. Ça va être exactement la même chose. On va équiver un exchanger de la stone en cobblestone. Enfin, le contraire, de la cobblestone en stone. Parce
c'est pas logique de faire des pipes en stone pour se connecter en cobblestone. Hop, voilà. Donc stone transport pipe, waterproofing. Hop, voilà. Donc maintenant il faut que je fasse un wooden transport pipe. Merde. Et il va falloir faire un autre engine. Et alors il faut que je waterproofise ce tuyau. Voilà. Hop. Et donc on va courir activer tout ça. Et là, ça va être très drôle. Ça peut être très drôle. Hop. Toc. Et j'ai encore défoncé ton levier. Voilà, bah tu peux allumer le moteur. Attends deux secondes. Ce qui va pomper dans le réservoir. Et moi j'allais faire un moteur pour pomper du réservoir dans le générateur. Si je me rappelle comment on fait. Alors il me faut des stone gear, un piston et de la cobblestone. Je peux allumer le moteur là ? Ouais. Alors attends. Oh god. C'est un peu stressant la première fois. Oh, du haut de la lave. Attention, la lave arrive. C'est ce qu'on veut. Ouais, c'est bien, mais j'arrive plus à trouver le piston dans le truc d'échange. Viens montrer au viewer. J'arrive, je cours. La lave qui arrive. Je cours. Je saute. C'est très marrant. En plus, ça va nous faire un truc très bien pour faire une coupure d'épisode. L'arrivée de la lave. Ouh, de la lave. Ouh, on pompe de la lave. C'est tellement cool. Et on voit les blocs de lave qui disparaissent et qui font des... Et là, j'ai l'air con. Ouais. Je ne perce pas trop profond, parce que je sais pas si le... Non, mais j'ai trouvé l'astuce. Par contre, le lac de lave risque d'être un peu petit pour ce qu'on va en faire, mais bon. Voilà, comme ça la torche de redstone, elle est en dessous. Et donc la lave, elle va se pomper dans le réservoir, et maintenant il faut qu'on fasse un autre engine pour que ça passe du réservoir au générateur, et que ça nous génère de la Buildcraftricity. Et vous commencez à voir qu'au-dessus de nous, enfin qu'au-dessus de cette pompe, ça devient tout sauf naturel. Ah ben complètement. Plus ça avance, plus ça avance, moins ça va devenir, moins ça va ressembler à quelque chose de naturel, hein, notre désert. Ouais, hein. Le réservoir se remplit. C'est un peu stressant quand même toute cette lave. Ouais. Tu te dis le jour où ça pète. Ça pète. On s'en fout partout. C'est ça. Bon, en même temps, ce que je vais faire, c'est que je vais faire carrément une dérivation pour que ça arrive dans le générateur en même temps. Comme ça, ça remplit et le réservoir et le générateur. Et voilà. Normalement, bientôt, dans pas très longtemps, on devrait commencer à générer de l'électricité avec ce générateur. Qui est en train de pas du tout se remplir d'ailleurs. Parce qu'il faut faire arriver la lave par-dessus. Du coup, on va péter ce truc-là. C'est ça, il faut faire arriver la lave par-dessus. Et donc, il est en train de se remplir de lave. Bien, le réservoir tampon va bientôt être plein. On pompe à grande vitesse quand même. On va s'arrêter là et on va tout gérer le générateur au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien, tout ça. Et... Salut, tout ça, et salut.